guys. You were worried for a second, I can tell. Anyway, F Wong here, hitting you with my first ever vlog. Yeah. Okay. All right. That's what we call a minor fender bender. Oh, crap. Et si le vlogging était bien plus que de l'amateurisme? Recollons les morceaux ensemble. Ah! Oh non, 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 who are you? Get out of my car, please get out of my car! Oh, that's a gun! Hey guys, it's getting really bad, so don't forget to like this video and subscribe for more. What is up, Daily Crew? Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hi guys. Hey guys. Hi guys. Hey guys. Hey guys. Hi guys. What's up, guys? What's up, super? Au début des années 2000, alors que le concept du blog s'est définitivement installé dans le paysage médiatique, un nouveau format fait son apparition, le vidéo blog. Un mélange de journal intime, de billets d'humeur ou encore de carnet de voyage qui substitue la caméra au clavier d'ordinateur. Pour parler de vlog, il faut qu'on soit sur quelque chose qui est personnel et qui est régulier. En gros, vlogging, c'est... Tous les youtubeurs ne sont pas vlogueurs. La plupart des vlogueurs sont youtubeurs. Mais pour être un vlogueur, il faut qu'on raconte sa vie de façon plus ou moins réaliste ou plus ou moins enjolivée. Is it dead bodies? Plus ou moins réaliste et enjolivée? Is it dead bodies? L'amateurisme induit la proximité et l'authenticité? Is it dead bodies? What'd you get, dude? I got a boner. Oh, cool! Shay Carl, cofondateur du tout-puissant Maker Studio, va bâtir sa renommée sur le récit de la vie privée. Okay, don't shoot it at your mom, all right? That's my job. À la vision de ces films de famille, on s'aperçoit pourtant que ce dernier sait parfaitement positionner son corps pour faire oublier la caméra qu'il porte. If life is worth living, then it's worth recording. On est équipé là, du coup, de la action cam et on va aller faire du vélo dans un premier temps. Okay. Et alors que des moyens de production quasi professionnels se démocratisent, l'amateurisme perd du terrain, laissant place à une prise de conscience formelle, modifiant la perception des vlogueurs à l'égard de leurs vidéos. Grâce au vlog, je me suis intéressé au tout début aux caméras. J'ai appris très très vite de comment ça fonctionnait. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé aux belles photos. Et en fait, au début, je faisais du daily vlog avec des appareils photo qui étaient très très performants. Et j'ai eu des commentaires et des fois, ça fait vraiment des déclics en me disant « Mais tu es trop équipé pour ce que tu fais. » It's so huge. Thanks. Et je me suis dit, bah, est-ce que je peux tourner ça autrement? Est-ce que je peux essayer de montrer autre chose? Ça me permettait un peu justement de sortir, de montrer autre chose, de montrer que ma vie n'était pas que dans ma chambre. What the hell? Holy shit! Et c'est cette autre chose qui a fait justement le succès de Kaze Neistat, ce réalisateur autodidacte qui décida de se lancer dans le daily vlogging en 2015 et imprima sa patte inimitable sur ce phénomène. Et en fait, il a abordé un format YouTube qui a été donc directement le daily vlog, mais je dirais le daily vlog de qualité. Ce que je veux dire par qualité, c'est que déjà, c'est hyper bien monté, il y a toujours du contenu, le storytelling est vraiment incroyable. C'est un mec qui voulait absolument réussir, et c'est ce qu'il a toujours dit dans ses vidéos, quand on veut réussir, il faut se donner les moyens. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de zéro défaut. Bref, je suis un excellent produit. C'était le dernier plan de la journée. Combinant des plans toujours soigneusement cadrés à un montage riche, basé sur un sens aiguisé du storytelling, le vlog sort de son carcan amateur, ce qui finit par brouiller les pistes quant à la nature même du vlogging. Des heures d'éclairage, chaque détail compte. Sur quoi repose alors le contrat d'authenticité signé avec le public? En 1971, la première des reality series est diffusée à la télévision sur la chaîne PBS. An American Family cherche à donner une image d'Épinal de la famille moyenne blanche américaine. Mais la présence des caméras va pousser les protagonistes à jouer et contribuer à dissoudre cette famille.
en quoi le dispositif implique des rôles et donc une forme de rituel dans la communion avec le public. Il y a effectivement un côté rituel dans le suivi des vlogs parce qu'on ne vient pas sur un vlog une fois. Si on trouve ça intéressant, on va revenir régulièrement. On s'y connecte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est publiée. Le système de YouTube est fait pour ça, il est très bien fait. On reçoit une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc ça marche, c'est très efficace. Tous les gros comptes, ils ont aussi une page Facebook, un compte Twitter. Ils font des annonces sur les réseaux sociaux, voire à la fin de chaque vidéo pour dire le prochain épisode sera mis en ligne à telle date, à tel moment. Et dans ces cas-là, si vous êtes vraiment accro, vous pouvez vous précipiter dès que la publication est effective. Ce rendez-vous quotidien annoncé sur Internet, nous exposant la vie privée d'inconnus, pourrait rappeler une certaine télé-réalité. Oh, à l'écran, les personnages sont filmés par une équipe que l'on devine, ce qui donne au programme son caractère artificiel et scripté. Well, that's embarrassing. Tandis que le format du vlog met en scène le personnage qui est aussi celui qui filme, donnant au spectateur une impression de véritable confession. Je ne sais pas s'il y a un glissement de la télé-réalité vers le vlog, parce que finalement, ce sont deux choses assez différentes dans les vlogs familiaux, où on est quand même essentiellement sur du positif, alors que la télé-réalité, elle joue aussi sur le côté négatif, qui est indispensable pour créer une tension et faire que d'un épisode à l'autre, il se passe des choses. Coming up on Tough Girls. Très souvent, le vlog a pour but d'inspirer et de véhiculer des valeurs positives, notamment par la mise en scène de sa propre existence. Mais en perdant en spontanéité, il gagne en profondeur. La première bouchée, savoureuse, délicieuse. De la même façon que les blogs ont démarré sous forme de journal intime pour révéler à leurs auteurs la possibilité de parler autrement de leur expérience. Quand c'est glacé, que ça descendant. Dans l'œsophage. Oh, que c'est bon. Le vlog devient progressivement un programme à part entière qui peut s'apparenter à un essai. C'est vrai que le contenu que je crée aujourd'hui, c'est un contenu que sur YouTube qui ne va pas exploser comme on peut voir. C'est pas des contenus qui vont faire 1 million, 2 millions de vues, mais c'est des contenus qui moi m'intéressent et je veux essayer de, enfin, j'aimerais essayer d'inculquer un format de qualité. Je veux apporter un intérêt différent aux gens, c'est-à-dire montrer que je peux intéresser sans forcément parler que de moi, ce qui est très narcissique en vrai. That's the day I realized that there was this entire life behind things. Les vlogueurs prenant peu à peu conscience du pouvoir de leur médium, des centaines d'héritiers s'engagent dans leur sillon avec l'espoir, non pas forcément de réussir, mais de pouvoir réinventer leur propre récit. Now it's time for an introduction. Ils savent que tout est possible avec ce format modelable à l'infini et dont la profondeur dépend, comme n'importe quelle œuvre, de ce que l'auteur y apporte. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about lies. Tell it by the fireside or in a marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie. Je pense qu'ils devraient pas essayer un gâteau. So, I mean, don't eat the whole thing all at once. You don't want to eat. Yeah. Just a piece. Yeah.
extrêmement désagréable. Le temps ne passe plus. 8 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